Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soarkoulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie sur la map Rave in the Redwoods. Donc c'est un glitch qui va vous permettre de sauter super haut, pas où vous le voulez bien sûr, mais voilà, c'est assez stylé quand même comme glitch, donc voilà je vous le présente. Le seul truc c'est que moi je suis en God Mode, voilà, parce que... Moi je vous conseille de vous mettre en God Mode, ce sera plus facile pour essayer le truc parce que c'est pas facile du tout. Et si vous savez pas comment on fait un God Mode, ben c'est dans la description, il y a le lien de la vidéo pour Redwood en God Mode. Donc voilà. Alors le premier truc qu'il vous faudra pour ce glitch, il vous faudra l'arc du cerf. Voilà celui que j'ai. Alors, il va falloir packer un maximum de zombies derrière vous, et vous allez voir, en fait l'arc du cerf fait une flèche comme un harpon qui tire dans l'eau et ça attire tous les zombies. Vous allez voir, regardez, là j'avance et hop, oh merde, j'ai raté. On va recommencer hein. Il faut refaire un tas de zombies, mais vous avez vu, j'ai sauté super haut, j'ai failli rejoindre le toit. Donc ça c'est le but hein, c'est de monter sur le toit. Donc vous pouvez le faire sans God Mode. Le seul truc c'est que ça va être beaucoup plus difficile. En fait, il faut que vous paquiez tous les zombies. Et au moment où ils vous font une seule claque, allez, deux max, quoi, et ben là vous activez, vous tirez par terre et normalement ça devrait fonctionner. Moi je vais pas prendre de risque hein, parce que sinon je vais devoir refaire le glitch. Enfin God Mode. Vous avez vu comment j'ai sauté haut? Mais j'ai pas encore réussi. C'est pas grave, on va réessayer. Alors après je vous mettrai une vidéo parce qu'on peut monter sur la maison de Kevin. Alors j'ai réussi à monter, bon là je vous avoue que je suis à la manche 45, donc depuis tout à l'heure j'essaye de monter pour vous montrer dans la vidéo. J'ai réussi à y monter, mais le problème c'est que je suis redescendu aussi vite. Et je crois que c'était à la manche, enfin j'ai réussi deux fois, une fois à la manche 20-30 et une deuxième fois à la manche 42 je crois. Mais j'ai ça, j'ai oublié d'enregistrer, donc je ne vais pas vous montrer la deuxième fois. Mais franchement, j'étais dégoûté. Même la deuxième fois, j'ai pas réussi, quoi. Voilà, vous avez vu? Donc là, je suis sur le toit, donc voilà, je suis en out of map, donc pas besoin de transpondeur. Juste l'arc du loup, donc ça, c'est assez stylé. Donc je vais vous montrer un autre endroit. Après, c'est sûr que vous pouvez cumuler ça un peu partout. Mais ce qu'il vous faut, c'est des marches en fait. Soit des marches, ou soit un mur avec, comme je vais vous montrer là, un mur avec une espèce de rampe comme ça, que quand vous foncez dessus, ben, ça monte un peu. Mais regardez, vous voyez, je monte un peu, je saute pas, hein, je fais que courir, hein, je monte. Voilà, ça va me servir un peu d'un tremplin en fait, tout simplement. Donc attendez, hein, on fait un petit tas de zombies. Bon, celui-là, je l'ai vu, que j'ai vu un Américain le faire. Avec seulement 4 zombies, mais bon, vaut mieux en prendre plus. Vous allez tout droit, vous allez pas trop vite. Dès que les zombies vous touchent, vous tirez. Et ça n'a pas marché. Donc voilà, ça marche pas à tous les coups non plus. Va falloir essayer plusieurs fois. Mais bon, c'est quand même un glitch assez sympa. Donc vous faites ça à plusieurs. Mais bon, si vous êtes à plusieurs, essayez de demander aux autres de vous laisser quand même pas mal de zombies. Parce que plus vous avez de zombies, plus ça fonctionnera facilement, normalement. Même si un type il a réussi avec, à le faire avec 3 zombies ici. Voilà, regardez comment je suis sauté haut. Vous avez vu comment j'ai sauté super haut, quoi. C'est un truc de malade. Après, ben, vous pouvez sauter sur les toits, je crois. Hein. On va essayer de... Non! Ah, quel con. Je peux remonter là? Ah, le con. Je me suis bloqué. Bon bah faites pas la même couille que moi, ne sautez pas sur ce toit là, il fallait peut-être sauter sur ce toit là en fait. Parce que moi le toit là, ben on m'a baisé. Voilà. Hein. Je vais utiliser mon issue de secours. Voilà, on va réessayer. Non, je vais aller vous montrer à la maison de Kevin. Donc, qui sait, peut-être qu'avec les deux dernières flèches que j'ai, eh ben j'y arriverai. Bon, je vous promets rien. Parce que ça fait plus de 2 heures que j'essaye, franchement, et ça me saoule. Alors là, voilà, c'est pour ça que je fais le tuto maintenant, parce que j'ai envie d'arrêter, quoi. Ça fait 2 heures que je fais la même chose.
ça m'énerve. Donc voilà, alors pendant que le bateau avance, ben je vais vous dire un truc. Donc, déjà le truc que je veux vous dire, c'est de liker cette vidéo, ben si elle vous plaît, si elle vous a plu. De partager cette vidéo aussi, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait à évoluer. Et aussi ben de vous abonner si c'est pas déjà fait, comme ça ben, vous ne louperez aucune de mes vidéos. Même s'il y a des glitches qui vous intéressent pas forcément, il y a des glitches très utiles parfois. Et je fais des tutos, astuces, gameplay, live, détente, plusieurs jeux, je vais essayer d'un peu changer de jeu. Donc voilà, hein, on va un peu varier les plaisirs. Mais je vais bientôt commencer ma formation, donc lundi, mardi, mercredi prochain. Donc là on est lundi, donc c'est lundi, mardi, mercredi prochain. J'ai ma formation, mardi prochain c'est mon anniversaire. Et de là bah, je vais essayer réellement de chercher un stage pour faire mon stage, parce que voilà, faut que je fasse ça. Donc voilà, donc là on est arrivé sur l'île. Et en fait le but c'est de monter sur la maison là-bas, donc le toit. Alors pour ce faire il va falloir paquer des zombies. Et vous voyez bien que les zombies ils sont les zombies ce glitch là là pour monter sur la maison sans god mode c'est pas possible, impossible, il vous faut le god mode obligé. Mais vous voyez bien que les zombies avec une hache ils sont plus lents que les autres. Donc ce que vous faites bah, c'est que vous ralentissez, vous marchez tout doucement ici. Comme ça ils sont bien tous derrière vous. Et là vous tirez une flèche genre... Oh putain, putain, fait chier. Vous avez vu, j'ai sauté mais j'ai rebondi là-dessus en fait. Non, j'ai rebondi là-dessus. En fait il y a un truc comme ça, une poutre. Et en fait faudra suivre cette poutre pour pas tomber. Moi j'ai pas suivi la poutre, j'ai foncé devant. Enfin, je sais pas comment faut faire pour monter. Après vous pouvez carrément aller là où il y a Kevin. Là j'ai fait le secret donc il y est pas. Et vous pouvez aller là au-dessus quoi. Et moi je suis tombé, j'ai passé à travers les tuiles en fait. Donc faites super attention si vous y arrivez. Je vais vous mettre la vidéo où j'y suis arrivé, comme ça vous verrez un peu où j'ai tiré exactement pour essayer de le refaire. Donc là on va réessayer, hein. C'est ma dernière flèche, on va voir si j'ai de la chance. Non. Non, j'ai pas de chance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo bah, vous aura quand même plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace.